dans l'Ille-et-Vilaine, à l'OEAC, le berceau du rallycross français, que les pilotes du championnat de France se sont donné rendez-vous pour la 8e épreuve de la saison après une trêve estivale de 5 semaines. Chaque année, plus de 30 000 spectateurs se déplacent le premier week-end de septembre pour la manche bretonne, grand classique de la saison. Si tous rêvent d'une victoire à l'OEAC pour le week-end le plus prestigieux de la saison, certains avouent même qu'une victoire en Bretagne est plus forte qu'un titre en fin de saison. Une réputation qui dépasse les frontières avec la présence ce week-end d'une star internationale de la discipline, l'Écossais Andy Scott. Pour les pilotes permanents du championnat comme de la Coupe de France, l'enjeu est double, poursuivre la quête du titre à 4 épreuves de la fin de saison, tout en brillant sur le circuit le plus mythique de la saison. On débute par les qualifications de la classe phare du rallycross, la catégorie Supercars et celle des voitures WRC. Gaëtan Serrazin arrive à l'OEAC en solide leader du championnat avec 26 points d'avance sur Jérôme Grosséjeanin et 29 points sur Philippe Tolmer. Après avoir cassé sa couronne de points avant samedi matin, le pilote de la Peugeot 207 WRC réalise le meilleur temps des essais chronométrés avant de s'adjuger les 3 points de la Super Pole samedi après-midi grâce à un chrono de 38 secondes et 815 millièmes. Déjà vainqueur à 4 reprises cette saison, le pilote du Morbihan poursuit sa domination en décrochant la pole position de la finale A avant même la 3e et dernière manche qualificative en remportant Q1 et Q2. Et Jérôme Grosséjeanin, seulement 8e des essais chrono, n'était donc pas qualifié pour la Super Pole. Le Haut-Savoyard a tout de même fini par trouver le rythme lors des manches qualificatives en terminant 2e de Q1 et Q2 pour s'assurer de la 2e place sur la grille de départ de la finale A. Toujours à la recherche de sa première victoire cette saison après avoir terminé 2e à 3 reprises, Philippe Tolmer au volant de sa Citroën C4 décroche la dernière place de la première ligne grâce à sa victoire en Q3 cumulée à une 3e place en Q1. Le champion en titre Samuel Peu vit une saison compliquée avec seulement un podium en cette course et la 6e place du classement général. A domicile ce week-end, le pilote de la Peugeot 207 numéro 1 espère se relancer. 4e de Q2 puis 2e de Q3, Peu partira de la 2e ligne de la finale A aux côtés de Christophe Wildt, récent vainqueur à Kerlabo. Fabien Payet, vainqueur et 6e l'an dernier, partira en 6e position. Le Finistérien sera rejoint par les deux premiers de la finale B sur la 3e ligne de la finale A. Invité de marque ce week-end à l'OEAC, l'Écossais Andy Scott, pilote phare du championnat d'Europe de rallycross et qui a récemment pris part au Summer East Games de Los Angeles, a fait le déplacement en Bretagne afin de repérer le tracé en vue d'une éventuelle manche du championnat d'Europe en 2013. Après un abandon en Q1, le pilote de la Ford Focus numéro 24 termine 6e de Q2 et 4e de Q3. 7e au bilan global des manches qualificatives, l'Écossais partira en pôle de la finale B devant Hervé Knapik. Fort de 6 podiums et 5 victoires en 7 week-ends depuis le début de saison, Laurent Chartrain écrase la concurrence dans la catégorie Super 1600. Avec 27 points d'avance sur Eric Guillemette et 43 points sur Fabien Chanoine, Laurent Chartrain ne compte pas en rester là et attaque le week-end de la meilleure des manières en remportant les 3 points de la Super Pole. Le pilote de la Saxo Super 1600 numéro 123 confirme sa Super Pole lors de Q1 en réalisant le meilleur temps. Mais avec seulement une 5e et une 7e place en Q2 et Q3, le leader du championnat obtient seulement la 4e place sur la grille de départ de la finale A. Il sera présent sur la 2e ligne en compagnie du champion en titre David Olivier, 5e. De retour à la compétition après avoir réparé sa Renault Twingo 2 fortement endommagée à Faleras en mai dernier. Vainqueur à Dreux en début de saison, Eric Guillemette décroche la 3e place sur la grille de la finale A grâce à ses 2e et 3e temps en Q2 et Q3. Adeline Sanny au volant de la Citroën C2 Super 1600 réalise la performance de se qualifier en 2e position pour la finale A après avoir terminé 2e de la Super Pole. 4e de Q1, 3e de Q2 puis meilleur temps de Q3, Adeline Sanny monte en puissance au fil du week-end et espère monter sur un 3e podium d'affilée après ses 3e places à Messé et Kerlabo. La pole de la catégorie Super 1600 revient au vainqueur de la saison dernière, le pilote journaliste Julien Febraud. Vainqueur de la 2e manche qualificative et 2e temps de Q1 et Q3, Febraud prouve qu'il est toujours un candidat redoutable à la victoire lors de ses piges en championnat de France. La Coupe de France avec pour débuter la Division 3. Christophe Saunois et Marc Maurice se livrent une lutte acharnée pour le titre. Les deux hommes sont séparés par seulement un point au classement général à l'avantage de Saunois au volant de la Toyota Corolla numéro 302. Mais la Super Pole voit s'illustrer l'homme en forme du moment, Jonathan Payet. Vainqueur de la dernière course disputée à Kerlabo fin juillet, Payet empoche les 3 points revenant au pilote le plus rapide sur un tour lancé devant Maurice et Saunois. Ces 3 pilotes se sont ensuite disputés l'ordre des places de la première ligne de la finale A lors des manches qualificatives. Christophe Saunois remporte Q1 devant Maurice et Payet. Mais lors de Q2 et Q3, l'ordre est inversé avec la victoire de Maurice devant Saunois.
Et à l'issue des trois manches qualificatives, Maurice décroche donc la pole position grâce à ses succès en Q2 et Q3 malgré une voiture endommagée suite à un accrochage avec Florent Bédunot. Christophe Senoy se lancera en deuxième ligne sur la grille suite à sa victoire en Q1 et ses deux deuxièmes places en Q2 et Q3. Jonathan Payet, quatrième du classement général, complète la première ligne avec trois troisièmes places lors des manches qualificatives. La deuxième ligne sera composée de la Peugeot 307 de Patrick Guilherme et de la Ford Fiesta de Laurent Jacquinet qui devance son frère Kevin, qualifié en sixième position. Dans la finale B, Yannick Couillet, Stéphane Dréan, Christophe Morichon et David Leferrand font figure de favoris pour une des deux dernières places qualificatives pour la finale A. Leader et vainqueur de 3 des 4 dernières courses de la Coupe de France Division 4, David Vincent prend la 3ème place de la Super Pole samedi après-midi. Une Super Pole remportée par Nicolas Bezard pour la première fois cette saison. Le deuxième de la Super Pole, Rudolf Schaffer, vainqueur à l'OEAC l'an dernier, était de retour ce week-end après avoir cassé sa voiture lors de la manche de l'essai à la mi-juillet. Au deuxième tour de la première manche qualificative, le pilote de la Citroën Saxo F2000 est une nouvelle fois contraint à l'abandon des Q2. Transmission cassée à la réception du saut dans le Tour Joker. Une bosse qui a fait débat ce week-end provoquant une contestation de la part d'une trentaine de pilotes samedi après-midi qui réclamaient la modification du jump jugé trop dangereux pour les voitures. En l'absence de Rudolf Schaffer, David Vincent et Jimmy Tarpero se sont disputés la pole position de la finale A. Grâce à deux victoires en Q2 et Q3, David Vincent valide la pole position devant Tarpero, vainqueur de Q1 et deuxième de Q2. Sébastien Leferrand, en volant de la Peugeot 306 numéro 446, complète la première ligne de la finale A grâce à deux top 3 en Q2 et Q3. Sébastien Guillemot, numéro 435, et Nicolas Bezard, numéro 407, se partagent la deuxième ligne. Christophe Barbier, 7e, s'élancera en pôle de la finale B et tentera de rejoindre sur la troisième ligne de la finale A Guillaume Rouillard. Invaincu en 5 courses et par conséquent incontestable leader de la Coupe Logan, Fabien Grosjean est le seul à descendre sous les 46 secondes sur un tour lors de la Super Pole, qu'il remporte grâce à un chrono de 45 secondes et 911 millièmes devant Vincent Jandot et Ayrton Boris. Boris, deuxième du classement général, signe la pole position grâce au meilleur temps de Q2 et Q3. Un vainqueur de Q1 puis deuxième de Q2 et Q3, Fabien Grosjean partira à ses côtés sur la première ligne. Et Jean-Michaël Guérin, régulier à la 3ème place lors des manches qualificatives et candidat au podium, tout comme les frères Liebner, Enzo et Evan, qui partiront depuis la deuxième ligne, respectivement en 4ème et 5ème position. Fidèle au principe d'avoir une formule de promotion au sein de son championnat destinée principalement au développement de jeunes pilotes, Lafort, via son président Jean-Jacques Bénézet, a reçu l'accord de la FFSA pour le remplacement de la Logan par la Renault Twingo R1 Cup en 2013. Cette semaine, nous avons déposé le dossier de permis d'organiser à la fédération et on a l'accord. On n'attend plus que maintenant le numéro de visa pour pouvoir diffuser la réglementation. Bon, on a encore un petit point sur lequel il faut qu'on travaille avec la fédération, c'est sur le championnat junior, ça n'est pas encore décidé. Mais d'ores et déjà, la coupe aura lieu l'année prochaine. On souhaiterait avec Renault Sport que ça s'appelle Coupe Twingo R1 Rallycross, puisque le kit de cette auto est le kit identique au rallye. Donc si un jour un pilote souhaite par derrière faire du rallye, ou même un pilote qui fait du rallye veut venir faire du rallycross, il n'y aura aucun problème pour mettre sa voiture en configuration. Respectivement vainqueur et deuxième de la finale B en Coupe Logan, Alexandre Restellini et Philippe Le Goff obtiennent leur place pour la finale A,
où ils rejoignent sur la troisième ligne Vincent Jandot. Deuxième ligne pour les frères Evan et Enzo Liebner. Enfin en première ligne, Jean-Michel Guérin s'élance de la troisième place. Derrière les deux favoris pour la victoire, Fabien Grosset-Janin a vaincu cette saison. Et Ayrton Boris, le poleman. Sept tours à couvrir pour l'ensemble des finales A ce week-end à l'EAC. Et dès le premier virage, Jean-Michel Guérin perd le contrôle de sa Logan et tout espoir de terminer sur le podium. Devant Fabien Grosset-Janin et Ayrton Boris sont au coude à coude. Et c'est finalement Ayrton Boris qui boucle le premier tour en tête. Devant Fabien Grosset-Janin et Vincent Jandot en troisième position. Après trois tours, Boris a creusé l'écart sur Grosset-Janin et Jandot qui prennent le joker dans le quatrième tour. Ayrton Boris creuse un écart définitif en repoussant au maximum son passage par le tour joker. Un tour joker emprunté par Ayrton Boris lors de l'ultime boucle. La stratégie payante pour le pilote de la Logan numéro 206 qui ressort largement en tête et s'impose au final après ses tours devant Fabien Grosset-Janin qui termine deuxième et Vincent Jandot troisième. Première défaite cette saison pour Fabien Grosset-Janin qui restait sur 5 victoires de rang. Déçu non parce que deuxième c'est quand même une belle place. J'avais à cœur de gagner ici parce que c'est vraiment une belle épreuve et Ayrton a été plus rapide tout le week-end, on ne peut pas lui enlever cette victoire, de toute façon il n'y avait rien à faire. Je suis très heureux, j'imaginais pas gagner surtout ici à l'OEAC. Donc devant un public de folie, c'est génial. Au classement général, Fabien Grosset-Janin conserve 35 points d'avance sur Ayrton Boris. Gaëtan Jean et Enzo Liebner sont à égalité avec 69 points devant Vincent Jandot, 5e. En finale B de la Coupe de France Division 4, Christophe Barbier est en pole position devant Dominique Derrien et Bertrand Perraudin. Au premier virage, Barbier vire en tête devant Marc Poudroux. Bertrand Perraudin vire large et perd de nombreuses positions. À l'issue du premier tour, Barbier mène devant Poudroux et Grégory Pain. À mi-course, Marc Poudroux, alors deuxième, passe dans le tour joker, ce qui permet à Perraudin de s'emparer de la deuxième place après un départ chaotique. Les positions ne bougeront plus, victoire de Barbier devant Perraudin, auteur d'une belle remontée. Et les deux hommes valident leur qualification pour la finale A. Une finale A avec en pole position le leader du championnat, David Vincent, devant Jimmy Terpereau, deuxième, et Sébastien Leferrand, troisième. Deuxième ligne pour Guillemot et Bezard. Rouillard, Barbier et Perraudin complètent la grille de départ sur la troisième ligne. À l'extinction des feux, David Vincent vire en tête, devant Leferrand et Terpereau. Nicolas Bezard prend le tour joker dès le premier passage. Mais l'Honda Civic numéro 407 encaisse mal la réception de la bosse. Course terminée pour le quatrième homme du championnat. À l'avant de la course, David Vincent cède le commandement à Jimmy Terpereau qui boucle le premier tour en tête devant Vincent et Leferrand. Dès le deuxième tour, Leferrand troisième prend le joker et ressort quatrième. Elle est juste derrière le trio de tête emmené par Terpereau devant Vincent et Rouillard désormais troisième. Un tour plus tard, Terpereau et Vincent prennent le joker à leur tour. La bonne opération pour Terpereau qui réussit à conserver la tête alors que Vincent perd de place et se retrouve désormais en quatrième position derrière Guillemot et Leferrand. Devant Terpereau qui avait pour objectif le podium en arrivant à l'EA creuse l'écart. Leferrand deuxième voit revenir sur lui Vincent qui a récupéré la troisième place à Guillemot. Les positions ne bougeront plus. Premier succès de la saison de Jimmy Terpereau devant Sébastien Leferrand deuxième et David Vincent troisième qui n'a pas pu refaire son retard après un premier tour raté. La victoire de prestige pour Terpereau après sa troisième place de Carlabo fin juillet. Impressionnant, je suis très heureux là. C'est impressionnant. Je pensais pas gagner ici. C'était la course que j'admets. Je pouvais. Voilà, je sais pas quoi dire. C'est impressionnant. Ah ben il n'y a pas vraiment eu de bagarre parce que mon premier virage loupé du fait que je sois trop à la corde. Si tu veux, j'ai pas pu m'écarter suffisamment pour bien prendre mon virage, donc j'ai freiné plus que tous les autres qui étaient à l'extérieur. Donc Jimmy en a profité, il avait plus de vitesse.
Au championnat, l'écart reste le même entre David Vincent et Sébastien Leferrand. Grâce à sa victoire, Terpéro se rapproche à 29 points de la tête du championnat. La Coupe de France Division 3 avec pour débuter la finale B. Yannick Couillet en pole position rate complètement son départ et se retrouve en 5e position au premier virage. Loin derrière Stéphane Dréan et Christophe Morichon. Les deux hommes vont alors creuser l'écart pour obtenir leur qualification en finale A. Couillet ne se remettra pas de son départ manqué et termine en dernière position de cette finale B. La grille de départ de la finale A avec sans surprise les trois pilotes à avoir gagné des courses cette saison en première ligne, à savoir Marc Maurice, Christophe Senois et Jonathan Payet. La deuxième ligne pour Patrick Guilherme et Laurent Jacquinet. Enfin sur la troisième ligne, Kevin Jacquinet devance Dréan et Morichon. Le départ en caméra embarquée à bord de la Peugeot 307 de Patrick Guilherme qui passe le premier virage sans encombre, ce qui n'est pas le cas de Christophe Senois, leader du championnat, percuté par Stéphane Dréan. Guilherme est le grand bénéficiaire du premier tour, bouclé en deuxième position derrière Marc Maurice. Progressivement, les deux hommes prennent le large. Dans le quatrième tour, Marc Maurice décide de prendre le tour joker et cède le commandement à Patrick Guilherme. Dans le tour suivant, c'est au tour de Guilherme de prendre le tour joker. La tête de course se joue à cet instant. Et Guilherme ressort derrière Maurice qui n'a plus qu'à gérer lors des deux derniers tours. Le tenant du titre de la Division 3 n'aura pas l'occasion de faire une très belle opération au championnat en s'imposant devant Patrick Guilherme, très bon deuxième. Laurent Jacquinet prend la troisième place après le 4 secondes du vainqueur. Stéphane Dréan, sixième à l'arrivée, est finalement déclassé pour avoir provoqué l'abandon du leader Christophe Senois. Quatrième succès cette saison pour Marc Maurice. Peu importe ce qui va se passer au championnat, mais je le redis encore une fois, gagner l'OEAC, c'est quelque chose, quoi. Donc je suis vraiment super heureux d'avoir gagné ici. Bon, apparemment, j'ai vu Christophe avait eu un problème. Mais enfin, j'étais fort ce week-end et voilà, et je gagne une nouvelle fois l'OEAC, c'est génial. Les deux, trois dernières courses, j'ai eu quelques difficultés. Voilà, j'étais dans le bon tempo et je pense que j'aurais pas dû prendre mon tour joker aussi vite. Je pense que j'aurais dû attendre et j'étais capable de faire le creux. Mais enfin, une deuxième place derrière Marc Maurice, ça se refuse pas. Marc Maurice reprend la tête du championnat et possède désormais 10 points d'avance sur Christophe Senois. Florent Bellino est troisième avec 92 points devant Jonathan Payet et Patrick Guilherme. On passe au championnat de France avec la catégorie Super 1600. Dorian Launay, seulement 7e des manches qualificatives, s'élance depuis la pole position de la finale B et vire en tête dans le premier droite. Derrière, Dominique Gerbeau sort large mais parvient à rester en piste. Malheureusement, Dorian Launay perd tout espoir de rallier la finale A dès le troisième virage. Le pilote de la Renault Clio numéro 109 doit renoncer suite à un problème mécanique. Dorian Launay laisse Emmanuel Martin, Dominique Lenoac et Dominique Gerbeau se disputer les deux premières places qualificatives pour la finale A. Et c'est finalement Emmanuel Martin et Dominique Lenoac qui terminent aux deux premières places et accèdent donc à la grande finale de la catégorie Super 1600. À la finale A Super 1600, où l'on retrouve en pole position le vainqueur 2011 Julien Febraud devant Adeline Sangnier et Eric Guillemette. La deuxième ligne pour le leader du championnat Laurent Chartrain et le champion en titre David Olivier. Fabien Chanoine, Emmanuel Martin et Dominique Lenoac complètent la grille de départ. Et Julien Febraud conserve l'avantage de sa pole position au premier virage devant Adeline Sangnier et Laurent Chartrain, troisième. Derrière, Chanoine en bagarre pour la quatrième place prend le tour joker dès le premier tour, suivi par David Olivier et Emmanuel Martin. Et Julien Febraud de l'équipe des Landsports boucle le premier tour en tête, suivi de près par Adeline Sangnier. Chartrain est troisième, Guillemette quatrième. Après deux tours, seul Adeline Sangnier réussit à rester au contact du leader et décide de prendre le joker lors du troisième passage. La pilote de la Citroën C2 ressort en troisième position derrière Chartrain. Mais dans le tour suivant, Sangnier récupère la deuxième place à Chartrain qui ressort du joker devant Chanoine.
Fabien Chanoine qui s'empare ensuite de la troisième place au virage suivant et la conservera jusqu'à l'arrivée. Devant, la victoire va se jouer entre Julien Febro et Adeline Sanier. Plus que jamais en lice pour devenir la première fille à s'imposer lors d'une épreuve du championnat de France de rallycross. Febro prend le joker deux tours après Sanier. Tout se joue à la sortie du joker et Sanier, acclamé par plus de 25 000 personnes, réussit à s'emparer de la tête de course. Et Julien Febro tentera tout dans les deux derniers tours pour trouver l'ouverture, mais rien n'y fait. Pour la première fois en plus de 30 ans, une fille s'impose lors d'une manche du championnat de France de rallycross. La jeune pilote originaire de l'Oise réalise un exploit qui restera gravé dans l'histoire de la discipline. C'est vrai que je suis déjà la première femme à gagner une manche du championnat de France, en plus à l'OEAC, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions. J'ai été vraiment à l'attaque et quand Fabien a pris son tour joker, les deux derniers tours, je pense que ça s'est vu, j'ai complètement relâché parce que voilà, je voulais assurer et on y est arrivé. Et ça a été dur, mais on est enfin arrivé à gagner une victoire. Il n'y avait rien à faire, elle a été la plus rapide, on l'a vu depuis ce matin. Et voilà, il fallait essayer de préserver au maximum, attendre de voir si elle allait commettre une faute. Elle n'a pas craqué parce qu'elle a un mental d'acier et elle mérite à 200% sa victoire. C'est magnifique sur le circuit de l'Oyac pour elle. Je sais ce que c'est parce que j'ai gagné ici l'année dernière. Elle va s'en souvenir toute sa vie, c'est sûr. Grâce à sa victoire, Adeline Sanier s'empare de la quatrième place du championnat, toujours menée par Laurent Chartrain avec 31 points d'avance sur Eric Guillemette et 44 points devant Fabien Chanoine. La catégorie reine, celle des supercars. The poleman de la finale B, l'écossais Andy Scott, réalise le meilleur départ et creuse rapidement l'écart en tête de course. Derrière, la bagarre pour la dernière place qualificative pour la finale A est très disputée entre la Ford Focus de Pascal Lenouvel et la Peugeot 207 d'Emmanuel Pelate. La victoire revient sans surprise à Andy Scott devant Emmanuel Pelate, deuxième. Deux pilotes que l'on retrouve donc en troisième ligne de la finale A aux côtés de Fabien Payet. En pole position, Gaëtan Serrazin, le leader du championnat, devant Jérôme Grosset-Janin et le champion en titre, Samuel Peu. Deuxième ligne pour Philippe Tolmer et Christophe Wildt. Comme bien souvent en supercars, le premier virage est musclé. Jérôme Grosset-Janin se retrouve coincé entre Samuel Peu et Philippe Tolmer, qui ne peut éviter la sortie de piste. Abandon après quelques mètres seulement pour la Citroën numéro 4. Auteur d'un excellent départ, Christophe Wildt, troisième, passe par le joker dès le premier tour. Une stratégie qui va s'avérer payante pour le pilote de la C4 numéro 7. Le suspense de cette finale-là va tourner court. Serrazin s'échappe en tête de course. Samuel Peu, malheureux cette saison, est de nouveau contraint à l'abandon dès le premier tour suite à un problème mécanique. Dans le quatrième tour, Grosset-Janin, entré dans le joker en deuxième position, en ressort troisième, intercalé entre Fabien Payet, quatrième. Et Christophe Wildt, désormais deuxième, qui a pris la bonne décision en passant par le joker dès le premier tour. Devant, Serrazin attend le dernier tour pour prendre le joker. Une stratégie payante pour le leader du championnat qui s'impose avec une belle avance sur Christophe Wildt, deuxième. Et Jérôme Grosset-Janin, troisième. Cinquième succès en 8 courses cette saison pour Gaëtan Serrazin. On a eu une casse mécanique samedi matin qui nous a beaucoup remis en question. C'est à ce moment-là qu'on se dit que tout peut arriver. Et voilà, j'ai quand même fait le meilleur temps chrono, super pole, les deux premières manches et la finale, c'est le plus important. Avec 34 points d'avance sur Jérôme Grosset-Janin, Gaëtan Serrazin peut d'ores et déjà entrevoir le titre à 3 épreuves de la fin de saison. Philippe Tolmer, Christophe Wildt et Fabien Payet complètent le top 5 du classement général. Une nouvelle fois, le week-end de l'OEAC aura fait honneur à sa réputation avec en point d'orgue la victoire d'Adeline Sanier en Super 1600. Prochain rendez-vous, le rallycross de Mayenne le week-end du 15 et 16 septembre.